chers compatriotes. Aujourd'hui, la France. L'association Solidarité. Les crimes organisés. Qui come noi, a nous être combattus. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur UHT et les RCFM pour notre émission hebdomadaire réalisée en partenariat avec Corse ce matin. Après la rentrée du président de l'exécutif la semaine passée, nous recevons aujourd'hui à Contraste le chef de file de l'opposition territoriale de droite, le président du groupe Le Rassemblement, José Rossi. José Rossi, bonsoir. Bonsoir. Et merci de votre présence sur ce plateau. Alors, sujet de discussion avec vous sont nombreux, de la situation de votre famille politique en plein débat des primaires, aux échéances électorales importantes qui nous attendent, en passant par les dossiers corse évidemment, ordonnances, fiscalité, collectivité unique, le menu est copieux. Alors, vous allez le partager avec nous et avec votre contradicteur qui viendra dans un instant débattre avec vous. Mais en attendant, nous discuterons avec nos deux journalistes, Guillaume Padovin de Corse Matin. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et Patrick Vinciguer de RCFM. Bonsoir à vous, Patrick. Ils vont bonsoir. Vous questionner durant une demi-heure. Alors, mais pour débuter, José Roche, l'actualité cette semaine a été marquée par le procès de Cisco devant le tribunal de Bastia. Alors, on ne va pas revenir sur les événements eux-mêmes, mais sur le contexte général et l'action que peuvent avoir les responsables politiques face à ces événements. D'abord, le contexte, José Roche, on assiste à une très forte tension, elle est palpable. Vous pensez qu'il peut y avoir, vous, un risque de cohésion sociale en Corse face à tous ces événements ? Certainement. Le danger est réel, d'autant plus que la Corse a vécu au cours des 30 ou 40 dernières années dans un climat troublé par la revendication politique forte, que certains estiment légitime, que d'autres trouvent exagérée. Donc c'est la revendication nationaliste, accompagnée par des violences. Et on est revenu, fort heureusement aujourd'hui, à une situation de paix que tout le monde apprécie, dont nous nous réjouissons, mais qui en même temps crée une sorte de rupture par rapport à un désordre général qui a été celui de cette île pendant de longues années. Et donc il y a des causes nouvelles qui apparaissent. Ces causes, elles peuvent se situer sur le terrain des luttes sociales, elles peuvent se situer sur le terrain de la revendication culturelle ou identitaire, elles peuvent se situer sur la volonté de préserver un mode de vie, préserver une manière d'être qui existe aujourd'hui dans la France entière. Et si nous avons vécu dans une situation relativement sereine par rapport à des populations qui sont installées en Corse depuis de longues années, aujourd'hui, nous connaissons une situation qui évolue un peu à l'instar de ce qui se passe en France et en Europe. Est-ce que nous allons avoir une réponse particulière ou est-ce qu'on compte sur un État rénové qui est capable d'assurer la sérénité et l'ordre public ? – Justement, dans un contexte comme celui-là, quelle doit être l'attitude des hommes politiques ? On l'a vu au plan national, la droite, après les massacres du Bataclan et plus encore après l'affaire de Nice, extrêmement critique. Est-ce que c'est… responsable, ça. Est-ce qu'on ne doit pas faire bloc ? Il y a deux niveaux. Bon, sur le plan au niveau insulaire, je trouve que les deux présidents de la collectivité ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils représentent la Corse, l'Assemblée de Corse ou l'exécutif. Ils ont été présents sur le terrain. Et la droite n'a pas fait de surenchère non plus. Et la droite, pardon, José Ross, c'est la Fédération de Haute-Corse, Les Républicains, le lendemain a publié un communiqué assez va-t-en-guerre. Dans ce communiqué, on parle de groupes de barbares islamiques armés jusqu'aux dents. Est-ce que ça va dans le sens de la modération, selon vous, de l'apaisement ? Écoutez, il y a la nécessité de la prise de conscience de la communauté. Vous auriez écrit des choses comme ça ? C'est pas tout à fait mon genre d'écriture, mais je comprends qu'on l'écrive. Et le monopole de la armée jusqu'aux dents. Le monopole de la revendication culturelle et de la défense de la Corse dans son mode de vie, dans son organisation, n'est pas le monopole des nationalistes. Bon, à droite et à gauche, il est normal que certains expriment la même volonté. Bon, par contre, je crois qu'il faut être très prudent. Les questions d'ordre public doivent rester de la compétence, et d'ailleurs tout le monde dit la même chose à cet égard, de l'État. Et un État, un gouvernement, une majorité nationale peuvent gérer de manière plus ou moins efficace ces problèmes d'ordre public. Aujourd'hui, il y a de vraies questions qui ne sont pas résolues. Et donc, comme hier soir, Nicolas Sarkozy dit on peut faire mieux, bah, c'est le rôle normal de quelqu'un qui joue l'alternant. Et puis, vous avez au plan local, pardon, j'en termine, la réaction d'une population. Qu'il y ait une réaction citoyenne, qu'il y ait une réaction de prise de conscience, quelque face à des drames, les gens se mobilisent, moi, je n'y vois qu'avantage, parce que ça veut dire qu'on apporte notre caution démocratique à une démarche de remise en ordre. Mais en même temps,
Il faut éviter les pressions sur la justice. Si les avocats des Maghrébins avaient demandé la saisine de la Cour de cassation et du procureur de la Cour de cassation, eh bien, le procès aurait été peut-être dépaysé. Il faut éviter aussi, José Ross, de jouer sur les peurs. Bien sûr, mais les peurs, elles sont légitimes quand il se passe ce qui se passe. Bon, vous pouvez pas. Il ne faut pas en rajouter. Mais justement, Jean-Guy Talamoine et Gilles Simeone sont allés au devant des manifestants. Oui. Auriez-vous fait vous-même la même chose? Si j'avais été président de l'Assemblée de Corse ou président d'exécutif, certainement. Est-ce que j'aurais été parmi les manifestants dans la rue devant le tribunal? Peut-être pas. Stéphanie Grimald a appelé au rassemblement jeudi à Bastia. Vous l'auriez fait, vous? Elle a une responsabilité politique, elle fait un choix national, elle colle au discours volontariste de celui qu'elle soutient à l'élection présidentielle. – Elle est la présidente de la Fédération LR de Haute-Corse, je précise. – Je pense que c'est un choix politique mûrement réfléchi qui crée une cohérence entre ce qui est proposé au plan national et la défense des idées qu'on veut mettre en œuvre au plan insulaire. On en revient au problème de cohésion sociale. Comment est-ce qu'on fait pour essayer de rétablir cette cohésion sociale qui semble quand même grandement menacée aujourd'hui? Quelles sont les mesures à prendre? C'est quoi? On intègre, on assimile? La cohésion sociale, comme dans la France entière, c'est d'abord la réussite économique, le développement, la création d'activités, la création d'emplois. Et ce type de situation se trouve beaucoup plus souvent lorsque la crise empire, lorsque la précarité se développe, que dans les situations où on baigne dans l'opulence et dans la prospérité. Donc je crois qu'il faut que ces questions n'occultent pas la question essentielle du développement et de la réussite des choix qui sont faits. On y reviendra sans doute tout à l'heure. Mais en même temps, il faut faire du cousu main. Face à chaque type de situation, il faut être vigilant. Nous avons accepté avec le groupe de droite d'opposition à l'Assemblée de Corse de participer au débat proposé par la majorité actuelle sur la citoyenneté, mais les conditions d'intégration. Parce que le débat sur la citoyenneté, ça évoquerait la statut de résident, bon, et sujet sur lesquels on n'est pas dans l'actualité. Mais par contre, qu'il y ait un débat sur les conditions dans lesquelles, en Corse, on se rassemble, on crée des conditions, ce n'est pas une expression qui me convient tout à fait, du vivre ensemble, bon, c'est devenu des mots éculés, mais qui veulent dire quand même quelque chose, eh bien, on va y réfléchir ensemble, on apportera notre contribution, et puis on verra. – Pour ce vivre ensemble, aujourd'hui, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut réduire le nombre d'étrangers accueillis en France? Est-ce qu'il faut suspendre le rapprochement familial, comme le préconise Nicolas Sarkozy, que vous soutenez? Écoutez, ça sera le débat national. Je ne vais pas transformer notre séance de ce soir en débat national, mais je crois qu'incontestablement… – Sur le plan local et sur le même sujet, on a appris en début de semaine qu'il n'y aurait pas de migrants en Corse, comme en Île-de-France d'ailleurs, parce que l'Île-de-France est saturée et la Corse, en raison des tensions qui existent. C'est une bonne nouvelle pour la Corse de ne pas recevoir de migrants ?– Il y a une distinction entre les réfugiés politiques qui sont accueillis dans des conditions prévues par la loi et puis les migrants qui restent en situation irrégulière. Bon, il est évidemment déconseillé en Corse, par rapport aux tensions qui existent, d'ajouter aux difficultés. Donc moi, je suis extrêmement réservé. – On est loin de l'élan de générosité qui était apparu après la mort du petit Aylan sur la plage. L'Assemblée de Corse avait délibéré d'ailleurs sur ce sujet pour accueillir des migrants à l'époque. – Il y a eu un élan de générosité à un certain moment face au mouvement solidarité aussi. De réfugiés politiques qui quittaient la… de réfugiés qui quittaient leur territoire d'origine pour trouver un asile. Bon, mais vous savez très bien que lorsque ces troupes nombreuses arrivent en France, il y en a qui ont la qualité après enquête de réfugiés politiques, c'est environ 10 à 15% de l'ensemble, puis les autres qui sont en fait des immigrés en situation irrégulière. Ils veulent aller, on l'a dit dans d'autres émissions, en Grande-Bretagne ou ailleurs. Ceux-là, nous n'avons pas vocation à les accueillir ni en France ni en Corse. – Sur le rapprochement familial, justement. Rapprochement familial, la commune, les gens qui vivent en Corse aujourd'hui vivent en famille. Bon, au-delà du rapprochement familial, je crois qu'il faut éviter d'avoir des immigrés supplémentaires, ce qui évitera d'avoir à se poser la question du rapprochement familial. Je crois que les gens d'origine étrangère qui sont ici en Corse, qui travaillent, avec lesquels nous n'avons jamais eu de problème, avec lesquels on a toujours eu des relations, sinon fraternelles, mais presque on pourrait utiliser ce mot, des relations d'amitié puissantes, bon, qui se sont tissées. Et aujourd'hui, créer une situation de conflit avec ceux qui vivent en Corse, qui sont Corses et qui ont pour certains leurs qualités et leurs défauts comme des Corses de souche ou non de souche, eh bien je crois qu'il faut éviter de créer un problème par rapport aux populations d'origine étrangère qui sont pour une grande partie devenues français. Il faut éviter de créer un problème. Donc il faut être nuancé, modéré et attention au populisme ambiant parce que
Je ne voudrais pas que certaines sensibilités politiques s'emparent de thèmes qui sont au plan national, ceux du Front national, et qui aujourd'hui sont récupérés ici par certaines sensibilités, pourquoi ne pas le dire, nationalistes, pour certains, pas tous. Bon. Mais il y a cette frange, si le Front national ne représente que 10% encore, c'est parce que 20-30% de la population vote d'une autre manière en Corse. Donc attention au populisme. Moi, je suis un centriste d'origine, je suis modéré dans mon comportement. Le conseil vaut aussi pour Nicolas Sarkozy, rassurez-moi. Mais Nicolas Sarkozy, il veut convaincre sa famille politique, et il faut qu'il gagne la primaire. Bon, voilà. Et donc le noyau de son électorat, c'est un électorat de droite qui a des positions et une expression, et il a raison de convaincre d'abord ses amis avant d'aller chercher les électeurs de gauche qui ne voteront pas pour lui, ni pour Juppé, si c'était Juppé à l'arrivée. Bon. – Eh bien justement, vous introduisez habilement le débat sur les primaires, on va en parler, alors vous avez choisi… – On ne parle pas d'économie ou de… – On va en parler après, tout à l'heure. Mais juste le soutien à Nicolas Sarkozy, vous êtes centriste, toujours modéré, José Rossi. Et vous avez choisi un candidat qui est clivant, tout le monde le reconnaît. C'est quoi, c'est un renvoi d'ascenseur ou vous partagez la vision de Sarkozy ?– Écoutez, dans le passé, je n'ai jamais eu d'intimité majeure avec Nicolas Sarkozy, mais j'ai quand même été au gouvernement avec lui, sous la période Balladur. J'ai été au gouvernement avec Juppé également, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque. Je les connais l'un et l'autre. Et je trouve que dans le contexte qui est celui de crise, de violence, d'internationalisation des débats, Sarkozy, qui a été président de la République, qui a cette expérience, qui a souffert pendant la période qui vient de s'écouler, j'ai toujours pensé le jour où il était battu, et il y avait toute chance qu'il soit battu la dernière fois, qu'il serait meilleur au coup suivant et qu'il se représenterait. Et aujourd'hui, je crois tout simplement que dans le panel des candidats qui nous est offert pour la droite, c'est celui qui est en situation par rapport aux défis à relever. – Et pour la Corse, vous pensez que c'est le meilleur ?– Ah, pour la Corse, je pense que c'est le seul qui connaît véritablement les questions corse et qui n'aura pas besoin de lire les notes qu'on va lui envoyer pour savoir ce qu'il faut faire. Il connaît déjà largement le sujet. – Juste une question sur une proposition de Nicolas Sarkozy, c'est dans son livre « Tout pour la France ». Il propose la création d'une cour de sûreté de l'État antiterroriste à l'image de ce qu'était l'ancienne cour de sûreté de l'État qui a été abolie par François Mitterrand en 81. Vous êtes d'accord avec ça ? Écoutez, s'il pense que c'est la meilleure façon d'apporter une réponse aux questions du terrorisme qui assaille notre pays, je lui fais confiance sur un plan d'ensemble. – Mais vous, qu'en pensez-vous ? – Très franchement, je n'ai pas la connaissance nécessaire des problèmes de lutte contre le terrorisme pour vous apporter une réponse. – De même que l'alternement des fichiers S. – Je fais confiance à Nicolas Sarkozy sur cette affaire s'il propose, donc par voie de conséquence, j'accepterai la création d'une cour de sûreté de l'État. – Alors, on en vient au dossier insulaire et à cette collectivité unique sur laquelle la droite a refait son unité, même si peut-être ce n'est qu'une unité de façade. Vous êtes contre le projet gouvernemental, pas contre la collectivité unique. Ce n'est pas le cas de Pierre-Jean Loujani ou de Marcel Franchitsch, qui eux sont contre le principe même. Quelle est la position réelle de la droite par rapport à cette collectivité unique ? D'abord, Pierre-Jean Loujani et Marcel Franchitsch ne disent pas qu'ils sont contre la collectivité unique. Ils disent que la représentation territoriale ne se retrouve pas dans la nouvelle organisation. Et moi, je le dis d'une autre manière, mais je dis à peu près la même chose. Je dis tout simplement que la collectivité unique, c'est un choix que pour beaucoup d'entre nous à droite, on a fait depuis longtemps maintenant. C'est vrai que notre famille politique n'a jamais été en première ligne lorsqu'il s'agit de faire des réformes institutionnelles. C'est vrai aussi, vous en souvenez sans doute, que dans ma famille politique, j'ai été souvent isolé lorsqu'il s'est agi d'être rapporteur du statut dit Jox en 1991, d'être président de l'Assemblée de Corse lorsqu'on a fait les accords Matignon et que j'étais l'interlocuteur principal du gouvernement Jospin à l'époque. Et aujourd'hui, on a un gouvernement socialiste comme la dernière fois et on peut tout à fait discuter avec un gouvernement socialiste de cela. Je n'y suis pas du tout opposé. Mais je dis que les nationalistes, depuis qu'ils sont aux responsabilités, n'utilisent pas la force qui est la leur sur le plan démocratique, puisqu'il n'y a plus de violence, pour négocier au mieux avec le gouvernement. Et d'abord, le projet initial s'est réduit considérablement dans la forme. Pas de référendum, bien sûr, pas de loi, des ordonnances. Ils ont accepté le principe des ordonnances qui donne, au fond, tout pouvoir au gouvernement pour bâtir le texte. Mais surtout, ils ont accepté qu'il n'y ait pas l'accompagnement économique, fiscal et financier dans le texte d'origine. Et ils ont accepté qu'il n'y ait pas l'équilibre territorial et l'équilibre démocratique à l'intérieur des nouvelles institutions. Donc ça pose problème. – Alors vous proposez un nouveau statut institutionnel, mais finalement, qui met-on
qu'est-ce qu'on y met dans ce statut, les ordonnances. Finalement une loi spécifique, une autonomie dont vous avez été un des premiers finalement. Je vais vous dire. Un des premiers à droite à parler finalement d'autonomie. Les ordonnances, nous avons voté contre. Il y a une petite majorité avec la gauche, une partie de la gauche radicale qui a voté pour, puisqu'ils avaient été à l'origine du projet, donc ils ne pouvaient pas voter contre. Et les ordonnances seront adoptées par le gouvernement après passage au Conseil d'État, et elles seront votées en dernier ressort par l'Assemblée nationale au moment de la ratification, avec sans doute une position extrêmement réservée au Sénat. Mais le gouvernement a une majorité, il peut faire voter et ratifier les ordonnances. – Vous les remettriez en cause l'année prochaine, alors, si d'aventure vous revenez aux affaires à Paris ?– Dans ce qui se trouve dans le texte des ordonnances, nous n'avons pas d'objection majeure, puisqu'il s'agit simplement, purement et simplement, d'une absorption des deux départements par la région et de la mise en commun des administrations et des compétences. Mais ce qui manque, c'est que demain, dans l'administration de la région, il y ait la prise en considération de la réalité des territoires, le Grand Bastia, l'Extrême Sud, le Centre, la Balagne, le Grand Ajaccio, et en même temps, qu'à l'intérieur des nouvelles institutions, il y a un équilibre entre le président d'assemblée et l'exécutif, entre les responsables, bon, un équilibre des pouvoirs. – Ça, c'est un nouveau statut. – C'est des critiques. – C'est une refondation du statut, alors qu'on a fait un toilettage, monsieur. Bon, et on a fait un toilettage totalement technocratique, dont se sont satisfaits les nationalistes. Ce sont les critiques que l'inspecteur général Colombin a fait tout le boulot, tout le monde le sait. Il a sorti tout ce qui était dans les tiroirs de la région depuis 20 ans, on les a mis sur la table, et le gouvernement a été trop content qu'on ne lui demande que ça. – Vous y étiez favorable à ces ordonnances. – José, si vous y étiez favorable il y a quelques mois à ces ordonnances, votre position a un peu évolué, mais dans les réticences de la droite vis-à-vis de la collectivité unique, ce qui vous dérange le plus, n'est-ce pas en fait que, en l'état actuel des choses, c'est-à-dire une gauche en miettes et une droite convalescente, n'est-ce pas le fait que les nationalistes sont les mieux placés pour les premiers en prendre les rênes de cette collectivité unique au 1er janvier 2018, si elle est créée ?– Bon, d'abord, 1er janvier 2018, l'élection de décembre, je dis très clairement, l'élection et je n'ai pas d'engagement ni de Sarkozy, ni de Juppé, ni de qui que ce soit. C'est une position que nous défendons, nous, et que nous allons proposer au candidat qui sera choisi à l'issue des primaires. Bon, on verra qui est le candidat qui porte les couleurs de notre famille politique. – De reporter la collectivité unique. – Bon, on va dire simplement, nous, ce que nous allons demander, c'est un texte de loi qui vienne non pas abolir purement et simplement tout le travail qui a été fait, mais qui vienne compléter les ordonnances par ceux qui ne s'y trouvent pas et qui ne s'y trouvera sans doute pas avant la fin de l'année. On nous a promis par exemple des mesures financières complémentaires dans la loi de finances. La majorité territoriale a laissé saucissonner le débat. Bon, et donc on ne sait pas ce qu'il y aura dans la loi de finances, surtout si on a des rapports du type de celui de la Cour des comptes et des interventions du type de celle de M. Charles de Courson, qu'on voit ressurgir de sa boîte. On va voir peut-être M. Charras demain, qui lui était au Parti Socialiste, puis au Conseil. Charles de Courson, voilà, et Charras au Parti Socialiste. Donc on est à égalité de ce point de vue-là. – Soutien Alain Juppé, bon. C'est ça ?– Pardon ?– Soutien Alain Juppé, Charles de Courson. – Écoutez, il est dans la liste des parrains, effectivement, d'Alain Juppé, mais je pense que Juppé ne va pas chausser les bottes, j'espère, de Charles de Courson. Bon, donc je pense que dans cette affaire, il y a matière à faire plus. Bon, franchement, quand j'ai négocié du temps de Jean Baggione et président de l'exécutif et moi président de l'Assemblée, les accords de Matignon, mais c'était Monsieur Valls qui était attaché de communication de Jospin, et c'est lui qui est venu me voir en disant « nous allons engager une négociation ». Il était à l'époque extrêmement décentralisateur, on ne le reconnaît plus aujourd'hui. Bon, et nous avons obtenu quand même, en dehors du contenu même des accords de Matignon et des adaptations institutionnelles, le plan exceptionnel d'investissement sur lequel on vit encore et que tous les ministres successifs revendiquent comme s'il fallait le renouveler à chaque fois. Non, on a pris un engagement de 15 ans, 18 ans maintenant, puisqu'on a légèrement rallongé les choses. Et bon, eh bien, cette négociation, elle n'a pas eu lieu. Alors, à l'époque, il y avait la violence, il y avait les attentats à l'URSSAF. Mais aujourd'hui, les nationalistes ont un avantage considérable. C'est eux qui sont au pouvoir, ils ont la majorité. Donc, je crois que la négociation, il faut qu'elle se fasse sur un plan politique très fort. Alors, et par contre, je me réjouis. Bonne nouvelle. Bon, j'ai appris que les présidents de la région,
président d'Assemblée et président d'exécutif, irait à la réunion de l'ARF, l'Association des régions de France. Vous vous souvenez que j'avais regretté la politique de la chaise vide au tout début. Bon, là, ils vont participer au débat avec l'ensemble des présidents de régions de France et je m'en réjouis. – Ça, c'est parce que vous avez en tête votre idée de mettre en place ce système de péréquation qui ferait que les autres régions seraient solidaires de la Corse. Mais en matière de fiscalité, est-ce que avant cela, avant de mettre en place ce système-là, il n'est pas beaucoup plus simple avec un nouveau gouvernement peut-être d'obtenir un transfert de TVA, une augmentation peut-être de la TICP, des ressources nouvelles en Corse avec des taxes nouvelles ?– Écoutez, je vais vous lire la phrase que M. Talamone cite en allant la chercher du côté de l'Europe et qui en réalité correspond en France à une décision du Conseil constitutionnel. L'éventualité du problème de l'égalité des citoyens devant la loi peut être écartée. Bon, pour dire, on peut faire un statut fiscal propre à la Corse. Le texte dit, dans une décision du Conseil constitutionnel de juillet 2005, c'est pas hier, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. C'est-à-dire on peut faire des dérogations pour la Corse sur le plan économique en disant on veut atteindre tel objectif par cette dérogation. L'affaire du crédit d'impôt, par exemple, rentre tout à fait dans ce cadre. Alors plutôt que de prendre le morceau par petits bouts chaque fois qu'on a un rapport agressif de la Cour des comptes, chaque fois qu'on a un commentaire désagréable de M. Courson ou de tout autre, pourquoi ne pas engager la discussion sur le statut fiscal ? Pas dans des conditions où elle était engagée avant les ordonnances, parce qu'il y a eu des débats sur le statut fiscal avant sous l'ancienne majorité. Mais aujourd'hui, au moment où on fait la réforme statutaire, eh bien, c'est là qu'il faut amener la discussion sur le statut fiscal. Vous voulez un statut fiscal pérenne. Vu sur un statut fiscal pérenne et que tous les 10 ans ou tous les 5 ans, on ne soit pas obligé d'y revenir. Qu'est-ce qui comporterait ce statut fiscal, José Rossi ? Eh bien, il y aurait à la fois des mesures d'incitation au développement pérenne de type crédit d'impôt ou de type allègement de TVA sur certains objectifs bien identifiés pour des raisons de développement économique, des transferts là où on peut les faire, en sachant quand même que chaque fois qu'on vous fait un transfert de fiscalité nationale, on vous retire une part de la dotation que vous avez. Donc dans un premier temps, c'est neutre sur la distance. S'il y a du développement, s'il y a de l'activité, ça peut être avantageux, mais ça se juge sur 5, sur 10 ans, sur 15 ans. Ce sont les seules ressources que vous préconisez ? Actuellement, je vous rappelle quand même que l'ensemble des niches fiscales dont bénéficie la Corse, c'est pas ce qu'a dit la Cour des comptes qui n'a pris que 3 ou 4 mesures et qui a chiffré ça à 80 ou 100 millions d'euros. Il y a 400 millions pour la Corse d'avantages fiscaux, directs ou indirects, sur tel ou tel impôt. Bon. Il faut les garder, ces 400 millions d'impôts, parce qu'ils sont utiles au développement de la Corse. Mais peut-être qu'on peut se poser la question de savoir à quoi ils doivent être affectés et de stabiliser tout ça dans un texte législatif qui ne rende pas contestable, puisque c'est dit par le Conseil constitutionnel, l'affectation de ces dérogations fiscales. – Justement, vous parlez de ne pas grappiller à droite et à gauche, il faut quelque chose de plus concret. – Savez-vous combien représentent les dérogations fiscales corse, les 400 millions, par rapport à l'ensemble des niches ou dérogations fiscales aux quatre coins du pays, y compris celles de l'outre-mer. Bon, ça représente 3%. Bon, donc ce n'est pas les 3% corse qui mettent en péril les finances publiques, mais encore faut-il que sur ce type de sujet, nous ayons une discussion globale. Alors je reconnais qu'il faut un peu de temps, ça ne se fait pas en 3 jours. – Et des ressources propres à la Corse, je pense par exemple à une taxe sur la résidence secondaire de luxe, comme à un moment la Sardaigne l'avait faite. Vous êtes opposé à ce principe, 70 000 résidences secondaires. – Je veux réfléchir dans un cadre d'ensemble, dans l'enveloppe qui nous sera reconnue comme étant utile au développement de la Corse, et tout ce qui contribue à des taxations supplémentaires m'inquiète. Bon, parce qu'avant de penser à des taxations, il faut qu'on réfléchisse à des allègements de fiscalité qui soient incitatifs au développement économique et peut-être, comme on fait ce choix au plan national, avoir des dépenses qui soient conformes à ce que l'on peut. Nous sommes une petite région, faible démographiquement, pauvre, la plus petite. Bon, on ne peut pas se payer des dépenses à l'infini. Il faut savoir se limiter et en même temps
avoir des outils fiscaux qui incitent au développement et qui créent de l'activité. José Rossi, les quatre parlementaires corses vont déposer, s'apprêtent à déposer de propositions de loi pour que l'arrêté Miot soit prorogé, minimum 10 ans. Vous pensez que ça a des chances d'aboutir, qu'il n'y aura pas un De Courson pour saisir le Conseil constitutionnel, etc. De Courson tout seul ne peut pas saisir le Conseil constitutionnel. Non, il faut faire des petits. Mais par contre, je crains que ce rapport de la Cour des comptes, qui n'a pas de conséquences immédiates, puisque c'est des remarques qui s'adressent au gouvernement. Et ce n'est pas la première fois. Monsieur Hollande a eu des rapports de la Cour des comptes contre la gestion gouvernementale, la gestion de son budget. Depuis le début de la mandature, il n'en a jamais tenu aucun compte. Donc, et il est membre de la Cour des comptes. Il vient de la Cour des comptes. Il est conseiller, ancien conseiller référendaire à la Cour des comptes. Alors, qu'il n'en tienne pas compte pour lui-même et pour le budget de l'État et qu'il en tienne compte tout brutalement demain pour la Corse, ça serait quand même étonnant. Donc le gouvernement va dire non, on ne craignait rien, c'est ce qu'il a commencé à dire. Mais par contre, je crois que dans le débat parlementaire, il y a forcément des parlementaires de droite ou de gauche qui risquent de se saisir de ce qu'a dit la Cour des comptes, des réponses relativement modeste et technocratique et maladroite du gouvernement, qui parfois n'a pas les bonnes réponses. Il n'est pas sûr qu'on trouve à l'Assemblée nationale et au Sénat l'unanimité qu'on nous annonce. – Mais justement, là, cette prorogation de 10 ans a peu de chances de pouvoir passer sans un recours devant le Conseil constitutionnel. – Écoutez, tout dépend de la façon dont elle va être formulée. Attendons de voir la proposition définitive dans le détail, puisque M. Valls a proposé qu'avant que les parlements, qu'elles viennent en discussion devant le Parlement, bon, il y a un échange entre le gouvernement et les auteurs de la proposition de loi. Bon, et puis on verra le moment venu. Très franchement, Il y aura le soutien du gouvernement, c'est sûr, mais c'est pas sûr. Il y aura le soutien du gouvernement, voilà, mais ce n'est pas sûr que ça suffise. Il ne faut pas qu'ils fassent les vénaquets au gouvernement et qu'ils disent non, on est d'accord, mais les parlementaires ne veulent pas. Bon, ça s'est produit à plusieurs reprises. Bon, donc on connaît la musique. Cette semaine, l'ADEC a une conférence de presse en présentant son bilan et un certain nombre de mesures pour la suite. Sur le plan économique, est-ce que vous trouvez qu'on commence à avoir les outils, en particulier en matière de transport, pour essayer d'enclencher une autre démarche? Ou alors vous regardez ça avec beaucoup de prudence? Écoutez, en matière de... Bon, nous avons été très, très nettement contre les ordonnances telles qu'elles sont aujourd'hui. Nous avons été très clairement pour, et nous avons voté pour, le dossier des transports et la création non pas d'une compagnie publique régionale, mais d'une organisation nouvelle des transports maritimes, puisqu'il y a trois compagnies, et que les deux compagnies d'exploitation sont pour l'une, celle qui exploite les ports principaux, qui vont gérer l'essentiel à majorité privée, et l'autre à majorité publique, mais avec à chaque fois un plan et un cahier des charges qui préserveront les intérêts de la collectivité et définiront les objectifs. Ce n'est pas très nouveau, parce qu'au fond, dans la délégation de services publics, on définissait les objectifs. Bon. Mais qu'on change de système et qu'on arrive à une organisation publique-privée qui correspond à l'ère du temps et qui surtout convient à l'Europe, eh bien, en finale, après discussion et approfondissement, nous avons accepté d'y aller. Au départ, nous avons dit non sur ce dossier. Pourquoi? Parce qu'on était fondamentalement contre le tout public, la compagnie publique, ça, nous aurions voté contre. Après, on nous dit, vous avez changé d'avis. Non, je pense que peut-être que l'exécutif là-dessus a joué habilement, parce qu'il a commencé à discuter avec les actionnaires et les acteurs privés avant d'afficher, de mettre sur la table ces projets. Peut-être avait-il dans l'idée d'aller vers la solution de compromis qui a été mise sur la table en finale. Il nous aurait dit ça tout de suite, peut-être qu'on aurait dit qu'on accompagnait tout de suite les choses. Mais bon, chacun a fait un bout de chemin, en tout cas par rapport à la position initiale. Et même M. Moscone, qui était pour le tout public, a accepté en disant, bon voilà, il faut avancer. Bon, mais il ne s'agit là que de l'organisation. Ce qu'on a voté, c'est comme les institutions. Les institutions, c'est un cadre, c'est un outil, mais après, tout dépend ce qu'on en fait. Bon, et il reste à bâtir la politique nouvelle qui permettra de répondre aux attentes des citoyens, des usagers, entreprises ou usagers tout court, individuels. Est-ce qu'on va payer moins cher? Bon, est-ce que les rotations seront régulières? Est-ce qu'il y aura plus de grève? Est-ce que le service public va être un service public digne de ce nom? Qui respecte en même temps la concurrence privée qui peut s'organiser à côté du périmètre du service public. Ça, c'est la vraie question. – La concurrence, elle existe. On se retrouve aujourd'hui sur les lignes de Corse avec pas moins de 5 compagnies. Est-ce que vous pensez que les choses soient viables? Oui. – Ou est-ce qu'il risque d'avoir de la casse et donc de la casse sociale ?– Ça peut être viable à condition que le service public se limite à un périmètre où il est indispensable, qu'on ne fasse pas de la surcompensation financière
par rapport à ce qui est nécessaire pour l'exploitation de ce service public, et qu'en dehors du périmètre du service public, on n'utilise pas les bateaux du service public pour aller faire de la concurrence, comme l'a fait à un certain moment la SNCM, sur des lignes qui doivent être ouvertes uniquement, gérées uniquement par la concurrence et par le secteur de l'entreprise en compétition. Donc à cette condition, le périmètre du service public peut parfaitement déboucher sur quelque chose qui tourne sans bénéfice extraordinaire, évidemment, parce que ce n'est pas là-dessus que le secteur privé a vocation à se faire des rentes de situation. Un mot sur la situation sociale. L'INSEE a publié récemment un rapport qui montrait que la Corse était la région la plus pauvre de France métropolitaine, ce qui n'est pas une découverte. À la fin du mois viendra à l'Assemblée de Corse la charte sur la précarité. Vous voterez ce document ? Attendez. Vous n'avez pas encore. Attendez que je le connaisse. Bon, l'exécutif a quelques faiblesses à cet égard parce qu'on reçoit souvent les rapports, pas la veille des sessions, mais souvent dans des délais qui ne sont pas les délais légaux. Bon, on a fermé les yeux jusqu'à présent, mais on va commencer à protester. On voudrait quand même pouvoir travailler un peu en amont. Aujourd'hui, on nous dit votez, taisez-vous. Bon. Cela dit, vous montriez que cette question-là, la précarité, devienne une priorité, ce qui n'a pas toujours été le cas dans les précédentes mandatures. La précarité, pour lutter contre la précarité, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut créer de l'activité, de l'emploi et faire en sorte qu'il y ait le moins possible de précaires. Comme il y aura moins d'emplois dans l'administration, inévitablement, bon, il faut demain impérativement qu'il y ait du développement économique. Là, il ne suffit plus de le dire et de l'invoquer en permanence. – Oui, mais il y a urgence. – Il faut le faire. Bon, mais face aux urgences, il y a des mesures d'urgence, évidemment que nous allons les accompagner. On ne va pas rester l'arme au pied. J'ai d'ailleurs répondu pendant la campagne électorale au docteur Perrin, qui m'a interrogé comme tous les responsables de groupe, et on a été quand même sur beaucoup de choses dans le sens de ce qui était proposé et que reprendra sans doute l'exécutif. – Bien, nous venons d'atteindre, même de dépasser les 30 minutes de débat qui conclut cette première partie d'émission. Je vous laisse, Ross, et après ce bref jingle, votre contradicteur va vous rejoindre pour débattre avec vous. Il s'agit de Philippe Perrette, adjoint au maire de Bastia, en charge du patrimoine. Il est ancien élu territorial et actuel responsable du Parti Socialiste en Haute-Corse. Philippe Perrette, bonsoir. Bonsoir. Et merci de votre présence. Vous allez donc porter la contradiction à notre invité durant une dizaine de minutes. Bonsoir. Je vous laisse la parole. Bonsoir José Rossi. Je suis heureux de vous retrouver. J'avais siégé sur les rangs de votre opposition quand vous présidiez l'Assemblée de Corse. Et j'appréciais à l'époque votre volonté de rationalisation pour faire fonctionner les débats de cette Assemblée, mais également toute l'institution. Vous étiez un expert, hein, vous aviez rapporté le statut de 1991, un statut voulu par le parti que je représente. Mmh. Hein, vous le rappelez souvent. Eh bien ce statut, vous, à l'époque, vous estimiez qu'il n'était pas appliqué d'une manière souvent conforme à l'esprit même qui avait présidé à son élaboration. Et je vous retrouve aujourd'hui avec des réticences qui portent sur les modalités de la mise en place de la collectivité unique. Mais j'aurais aimé de votre part plus d'enthousiasme, car la collectivité unique règle des problèmes de fond. Alors les réticences, elles portent très souvent, elles viennent des deux assemblées départementales, une plus que l'autre sans doute. Bon, je les qualifierais quant à moi un peu d'archaïques et conservatrices. Je voudrais insister par contre sur des réticences qui me paraissent plus fondées, mieux fondées. La réticence qui porte sur l'équilibre possible des territoires. Je suis maire adjoint de Bastia, je suis conseiller communautaire et je constate aujourd'hui que l'intercommunalité, elle monte en puissance. La loi NOTRe permet des transferts de compétences qui sont importants et moi je fais confiance à l'intercommunalité Corse pour défendre les intérêts des citoyens dans leur territoire face à l'Assemblée de Corse et face à la future collectivité unique. Parce qu'après tout, ces collectivités, ces communautés d'agglomération et communautés de communes, elles représentent en gros les anciennes provinces de l'île. Et elles travaillent déjà en complémentarité avec la collectivité territoriale de Corse quand il s'agit d'efforts en faveur de l'économie ou en faveur de l'aménagement des territoires. Il y a une autre argumentation, et vous l'avez développée avec éloquence, qui porte sur les moyens financiers mis à la disposition de la future collectivité unique. Vous avez cité l'Association des régions de France, qui est présidée par un de vos amis, M. Richert, qui préside cette
énorme région, le Grand Est. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit actuellement, ce président de l'Association des régions de France? Il dit que le transfert des compétences entre les départements et les régions défavorise les régions actuellement, puisque les régions se voient confier la compétence économique et que le transfert financier n'accompagne pas ce transfert de compétences. Voilà, donc ces deux arguments, bon, le second argument compte moins pour nous, puisqu'il n'y aura plus de département. Hein, et je suis convaincu qu'on peut là trouver de véritables solutions. – Écoutez, sur tout ce que vous avez dit, je n'ai pas d'objection majeure. On peut parfaitement cheminer sur ce terrain avec une vision commune de la meilleure organisation institutionnelle. Dans l'immédiat, ce qui a motivé notre vote contre, ce n'est pas parce qu'on est contre, vous allez me dire, c'est un discours un peu trop subtil pour être compris de tous. Non, on n'a pas voté contre l'idée de la collectivité unique, on a voté contre les ordonnances dans leur état actuel, pour deux raisons essentielles. Je reviens là-dessus parce que c'est important et ça recoupe ce que vous avez dit. La première raison est une raison financière. Bon, nous considérons que si la fusion des trois collectivités est faite comme elle est faite aujourd'hui, c'est une absorption pure et simple. Et là, les présidents de conseils généraux n'ont pas tort. Bon, c'est une absorption pure et simple des deux départements et on intègre dans les institutions de la collectivité telle qu'elle est aujourd'hui les deux départements qui, du coup, ne se retrouvent plus représentés politiquement puisqu'on va réélire les membres de l'Assemblée exactement dans les mêmes conditions qu'on les élit aujourd'hui, simplement avec une dizaine d'élus de plus et avec le même mode de scrutin. Donc sur ce plan, au niveau de la représentation territoriale, pour reprendre votre premier sujet, je pense qu'il serait logique qu'on se pose la question d'une organisation plus fine de la nouvelle collectivité unique ayant absorbé les deux autres structures et que sur le mode de scrutin, on ait une représentation territoriale dans le mode de scrutin même, comme ça existe dans les autres régions. Puisqu'on a un scrutin régional, bien sûr, il n'est pas question de le remettre en cause, mais il est sectorisé et chaque secteur à un nombre d'élus en proportion des voix qu'il obtient dans le secteur. On aurait des élus rattachés au secteur comme dans les autres régions de France. Après, vous pouvez choisir le mode de scrutin que vous voulez, soit la prime majoritaire comme elle existe aujourd'hui, soit descendre le seuil de la prime, soit même avoir une élection à la proportionnelle. Mais ce type de question, il faut se le poser. Moi, je n'ai pas tranché, je n'ai pas d'idée arrêtée sur le sujet, mais on ne s'est même pas posé ce type de question. Dans la nôtre, il était dit, on ne change rien. Bon, le deuxième sujet, c'est l'équilibre des pouvoirs au sein des institutions. Bon, on ne veut pas que le président d'exécutif qui soit nationaliste aujourd'hui, de droite ou de gauche demain, soit, comme dit Dominique Bouquin, le roi de Corse avec aucun contre-pouvoir. Alors, M. Talamone, de ce point de vue-là, il se défend bien. Bon, il ne se fait pas écraser par, je le reconnais volontiers, par M. Siméon, il se fait entendre. Mais ce n'est pas ça qui est en cause, ça c'est le discours, c'est la communication quotidienne. Bon, vous faites une réunion de commission de type banal, vous avez un type qui vient prendre une photo, elle est balancée immédiatement sur les réseaux sociaux. Il y a une surcommunication, souvent sur des choses qui ne débouchent sur rien. Bon. Donc comment on organise la collectivité pour qu'il y ait des pouvoirs, selon les règles de la démocratie équilibrée, bien connue, un équilibre des pouvoirs qui permette, au-delà du président des deux assemblées, de trouver le mode de fonctionnement de l'ensemble. Et ça, c'est une véritable réflexion interne. Oui. Donc ça, c'est pas fait. Et puis ce qui manque, je termine en deux mots, c'est l'accompagnement financier et fiscal. Alors là, je reconnais volontiers qu'il faut un peu plus de temps pour le bâtir correctement, mais cette promesse de statut fiscal, elle devrait être inscrite dans la loi ou dans les ordonnances. Bon, on ne peut pas la mettre dans les ordonnances, donc elle ne peut être que dans la loi. Après, qu'on dise la Corse bénéficiera d'un statut fiscal en fonction des décisions du Conseil constitutionnel que j'évoquais tout à l'heure, ce statut fiscal sera élaboré dans un délai d'un an, ou de voire même de deux ans, je signe tout de suite. Bon, mais il faut que ça soit dans la loi, que ça ne soit pas une promesse en l'air de M. Cazeneuve ou de Mme le branchu qui a disparu entre-temps. Bon, le jour où M. Jox a quitté le gouvernement, vous le savez très bien, on portait ensemble le nouveau statut. Bon, M. Marchand est arrivé, il est un homme plein de qualités, M. Marchand, ministre de l'Intérieur, mais bon, la question Corse, ça lui passait complètement au-dessus de la tête, et donc le statut s'est enlisé. Ben, aujourd'hui, demain, on risque d'avoir la même situation. – Oui, mais est-ce que nos concitoyens n'ont pas besoin de clarté? Est-ce que le gain politique de la collectivité unique est supérieur, je dirais, à ces problèmes qui portent sur les modalités ?– Dans l'immédiat, je vais vous dire, la seule conséquence de la collectivité unique, et je prends les paris aujourd'hui, c'est que si la fusion se fait dans les conditions où elle se fait, comme la région est à court de moyens financiers en termes fiscaux, qu'elle est endettée jusqu'au cou,
grâce aux possibilités qu'on lui a données d'emprunt, qu'on lui a proposé, de permis de faire, parce qu'on ne pouvait pas bloquer les institutions, eh bien, lorsque la fiscalité départementale rentra dans le budget de la région, la première réaction de M. Siméon et de M. Talamone, ça va être de tirer sur la fiscalité départementale et d'augmenter de 10, 20 ou 30% la fiscalité perçue aujourd'hui pour les départements pour boucher les trous du budget de la région. S'il n'y a pas de mesure d'accompagnement financier, ils n'auront pas d'autre choix. Ça ne sera même pas un choix politique. – Oui, on peut faire le pari d'autres solutions. Souvenez-vous, 2003, hein, c'était un peu une usine à gaz qu'on avait imaginée à l'époque, hein, avec un mode de scrutin un peu particulier, des représentations un peu diverses. Ça a échoué. Hein. Moi, je pense que 2016 par rapport à 2003, au moins, ça a le mérite de la clarté. Et étant un socialiste très identitaire, hein, et très autonomiste, je trouve que c'est une bonne chose. Voilà. Et j'aurais aimé plus… Allez. De sympathie de votre part. Bon, non, mais j'ai de la sympathie pour la collectivité unique, je vous assure. Mais je pense que si demain nous sommes aux responsabilités, je ne m'engage pas à la place de Sarkozy ou de Juppé. Bon, je dis simplement que pour ce qui concerne le groupe que je préside à l'Assemblée de Corse, d'abord vous avez constaté, ça ne vous a pas échappé, qu'on vote tous de la même manière désormais, ce qui n'a pas été toujours le cas. Bon, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans l'autre groupe d'opposition, celui de gauche. Bon. Et je vous garantis que demain, sur la collectivité unique, nous n'aurons pas d'attitude hostile. Nous exigerons, nous demanderons à celui qui sera peut-être président de la République, à la majorité parlementaire qui sera issue de cette élection présidentielle, de s'engager sur les propositions que nous ferons, qui seront des propositions raisonnables, qui ne porteront en rien évidemment atteinte à l'unité de la République, parce qu'il y a quand même désormais un danger indépendantiste. Bon, M. Talamone, il ne nie pas sa vocation, pas pendant l'actuelle mandature, mais il dit dans l'avenir, moi je suis indépendantiste, je le reste et je veux aller dans cette direction. Et M. Siméon, il dit, mais bon, vous, est-ce que vous êtes indépendantiste? Bon. Il dit, non, nous, on est pour une évolution progressive. De toute façon, c'est le peuple qui décidera le moment venu. Et je suis pour l'émancipation. Mais il ne répond pas à la question quand vous le dites, est-ce que vous serez contre une évolution vers l'indépendance? Il dit, c'est le peuple qui décidera le moment venu. Ben, nous, on dit très clairement, on ne veut pas de l'indépendance. On n'est contre personne, ni contre M. Talamone, ni contre M. Tillemin. On ne veut pas de l'indépendance. Par contre, si on veut construire demain l'unité de la Corse dans le cadre de la collectivité unique renforcée avec les moyens, il faut peut-être un jour avoir un grand rassemblement. Bon, sur des objectifs communs fixés pour 10 ans. Bon, je le dis d'autant plus à l'aise que ce n'est pas moi qui porterai les objectifs de ma famille politique dans les 10 ans qui viennent. Mais je dis qu'elle peut être associée à des choix ambitieux et importants pour la Corse, mais à condition que ce soit des choix qui excluent, en tout cas quand on les fait, l'idée de l'indépendance. Les journalistes tout à l'heure vous ont un peu titillé sur votre préférence en ce qui concerne l'élection présidentielle. Oui. Vous avez choisi Nicolas Sarkozy. Je ne permettrai pas, bien évidemment, de contester un choix personnel ou collectif. Mais simplement, il y a quelque chose qui m'embête un petit peu. C'est primaire, c'est aussi une invention socialiste, hein, vous le savez. C'est peut-être un approfondissement de la démocratie. Mais c'est aussi, il y a un danger. Hein, c'est aller la recherche d'électorats un peu extrêmes. Hein. Or, moi, il y a une déclaration récente de Nicolas Sarkozy qui m'a profondément choqué. Hein, c'est à Provins, hein, belle cité médiévale. Nicolas Sarkozy a déclaré « En France, il n'y a qu'une communauté, la communauté française qui partage une langue, une culture, un mode de vie ». Alors s'il s'agit de parler de communauté pour affronter le communautarisme à caractère religieux, pourquoi pas? Mais définir la France et la communauté française à partir d'une langue, une culture, un mode de vie, ça me paraît restrictif, populiste et assez nationaliste français. D'ailleurs, un ex-premier ministre finlandais, hein, qui est de vos amis, a tout de suite réagi. Alors j'aimerais savoir ce que vous en pensez, vous en tant que Corse, hein, car il y a le problème de la langue derrière ça. – Je vous réponds d'une autre manière. J'ai été l'un des rares parlementaires à l'Assemblée nationale au moment du statut Jox à voter l'article 1er de ce statut qui par la suite a été censuré par le Conseil constitutionnel. Article 1, la Corse est une composante du peuple français. Bon, ça a été censuré, ça n'est pas resté dans le statut, mais je l'ai voté. Et donc aujourd'hui, je considère évidemment que la Corse doit avoir sa culture, son originalité, et que c'est précisément cette culture et cette originalité, je n'utilise pas le mot d'identité à dessein parce qu'il est, je trouve, galvaudé aujourd'hui, cette culture et cette identité insulaire de surcroît qui va fonder une évolution vers l'autonomie dans la République sans aucune idée
d'évolution vers l'indépendance. L'autonomie dans la République ne doit pas être une étape vers l'indépendance, mais la possibilité d'avoir pleinement la maîtrise de nos choix. – Eh bien messieurs, merci. Le temps de la confrontation, même relative, est dépassé. Merci d'avoir débattu C'était en complète série. – Merci d'émission. À vous, Philippe. – On va maintenant aborder la troisième partie de notre émission. Voilà, mes confrères sont de retour pour le débriefing et votre prestation dans quelques instants. Mais avant cela, encore une question ou deux, José Ross. Vous avez déclaré dans un entretien que votre mission était de stopper les velléités indépendantistes et l'agitation populiste en Corse. Est-ce que vous avez pris... Stopper, j'ai pas dit stopper, non. C'était comme ça. Oui, dans quoi j'ai dit ça ? L'interview que vous avez donnée à Corse ce matin. Est-ce que vous avez pris la majorité nationaliste en flagrant délit sur ces deux points de dérive ? Écoutez, bon... Jean-Guy Talamone, et pour lequel j'ai le plus grand respect, avec lequel j'ai travaillé quand je présidais l'Assemblée de Corse et avec lequel j'ai même trouvé un compromis à l'époque, puisque c'est grâce à mon concours qu'on a créé la fameuse commission européenne. – Que vous lui avez confié ?– Qui l'a présidé. Non, je ne l'ai pas confié, c'est les élus de l'Assemblée de Corse qui l'ont confié, mais on a créé cette commission. Donc je n'ai rien contre l'homme, mais il a un mérite, c'est qu'il est clair. Bon, il affiche ses idées, il ne les clash pas, et je ne peux pas le lui reprocher. Bon, pas plus qu'il ne peut me reprocher à moi de ne pas vouloir l'indépendance. Donc il y a un risque à partir du moment où le seul allié… – Est-ce que vous avez le seul allié qui a été matérialisé sur un ou deux points ? Ben, il dit constamment que bon, pas de travail pour l'indépendance pendant la mandature actuelle, mais pour la suite, c'est à l'ordre du jour, si ça n'est pas aujourd'hui, peut-être sur une distance longue. Et donc, tout choix qui contribue à nous amener vers cet objectif est un choix qui est dangereux, parce que l'indépendance pour la Corse est extrêmement dangereuse. Et comme à ce jour, M. Talamone, je le répète, que je respecte et qu'il y a des élus qui sont souvent des élus intelligents, astucieux, à l'égard desquels je n'ai aucun reproche, mais je ne partage pas l'objectif. Bon, et aujourd'hui, le seul allié de M. Simeone, c'est M. Talamone, il n'y en a pas d'autre. Hein, bon. Mais le problème de la classe politique traditionnelle n'est-il pas justement cette victoire des nationalistes? Ils sont omniprésents dans les médias, sur le terrain. N'ont-ils pas finalement ringardisé la classe politique traditionnelle? Leur victoire n'est pas un hasard. C'est parce que nous n'avons pas été bons, à la fois pour des raisons tactiques et pour des raisons de fond, que le militantisme a disparu dans les rangs de la gauche et de la droite au sens où on l'entendait dans le passé. Et donc il y a une refondation à faire. Bon, je pense, de ce point de vue-là, que l'élection présidentielle, les primaires d'abord, va révéler quand même des engagements militants et qu'on s'engage pour Sarkozy, pour Juppé, pour le maire ou pour Fillon ou pour d'autres. Bon, ça va mobiliser des énergies. Bon, ensuite, on aura un candidat qui va défendre nos couleurs. Il faut que les défendent, qu'ils réussissent au plan national, ce qui est la condition de la réussite en Corse. Mais il faut aussi qu'en Corse, nous lui vendions, au bon sens du terme, une partie des idées que nous défendons, parce qu'on ne fera rien s'il n'y a pas de réforme législative au plan national. Donc nous voulons arriver devant ceux qui choisiront les futurs élus de la Corse en disant « voilà, nous avons fait ça pour la Corse ». Bon, les socialistes ont fait la collectivité unique, ils sont sortis, il y manquait ça. Bien, nous faisons le complément et nous revoyons éventuellement les choses. Donc chacun aura amené sa contribution et ce sera la Corse qui en bénéficiera. Donc oui, je ne fais pas une querelle entre les socialistes et la nouvelle majorité. Je dis qu'aujourd'hui, il y a une position insuffisante. Et j'ai oublié une partie de votre question, je ne sais pas si j'y ai répondu. – Non, simplement je vous demandais si les nationalistes n'avaient pas finalement ringardisé la classe politique traditionnelle. – Oui. Bon, c'est tout le challenge de sortir de cette ringardisation en amenant à la fois une nouvelle génération, mais en amenant aussi des idées. – Elle se fait attendre, autant les idées, autant les idées que la nouvelle génération. Donc je pense que la présidentielle et le choix national… dans lequel les nationalistes ne sont pas présents. Et donc, ces deux élections, ils vont rester passer les trains. Bon, ils vont faire monter les revendications, disant voilà. Bon, mais bon, ils ne vont pas choisir dans la primaire. Bon, ils choisiront discrètement dans l'isoloir, peut-être. Mais bon, il va falloir signer la charte des valeurs, ça va être dur. Bon, ensuite, on va voter à la présidentielle. Il faudra bien qu'ils votent pour un présidentiel. Bon, s'ils se contentent de choisir entre le candidat breton et le candidat, s'ils ont les signatures pour être candidat à la présidentielle, et le candidat. Polynésien, bon. Entre nous, bon, j'ai le plus grand respect pour cela aussi, parce que tout le monde invoque le respect maintenant, donc je le fais à mon tour. Bon, mais bon, il faut être sérieux. Bon, donc, il ferait mieux de se poser la question, quel est le candidat à la présidence de la République qui demain, s'il était en situation, répondrait le mieux aux demandes de la Corse? Bon, et ça, c'est une vraie question, et à ce moment, il faut qu'ils aillent voter. Mais ils n'ont pas de candidat. Voilà.
Alors José Ross, nous arrivons à l'heure du débriefing. Nous allons donc laisser la parole à mes deux confrères, en commençant par Patrick Winschiguer, qui va analyser votre prestation. Patrick, c'est à vous pour 1 minute 30. Alors, José Ross est quelqu'un de rassurant, pondéré, modéré, un ton bonhomme, pédagogue, jamais un mot plus haut que l'autre. Vous n'êtes pas homme de coups de menton, pas de déclaration va-t-en-guerre. En fait, tout le contraire de l'homme que vous soutenez à la primaire à droite, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy. Alors, ce soutien, pour moi, sonne faux, ce décalage. Comme s'il n'était pas construit, ce soutien, sur des convictions profondes, mais sur une construction politicienne, aux côtés de Marcel Franchitsch, le président de la Fédération LR de Corse du Sud, qui pour moi est l'antithèse de José Ross. Voilà, vous ne vous ressemblez pas du tout. Alors, je ne suis pas convaincu non plus au plan plus local, régional, de la capacité de la droite à incarner aujourd'hui l'alternance. Pourquoi ? Parce qu'il y a des discours, je trouve, assez louvoyants, fluctuants. Par exemple, le budget, bon, vous êtes abstenu sur le budget, la compagnie régionale, vous étiez contre, finalement, vous votez pour, les ordonnances, vous êtes pour la collectivité unique, mais finalement, vous votez contre les ordonnances qui l'accompagnent. Sans parler de la situation bastiaise, vous étiez tout à l'heure face à un contradicteur, Philippe Perrette, socialiste, et vous êtes associé à la mairie de Bastia avec non seulement Philippe Perrette, socialiste, mais également les nationalistes. Donc je pense que la droite a besoin aujourd'hui de clarifier ses positions, pour être comprise. – Vous répondrez, José Ross. – Vous avez 100 fois raison. – Guy Lourme, très vite, et après José Ross y répondra et conclura. – Simplement avec vous, José Ross, si la sagesse se trouve toujours au centre, à savoir, sur différents points, vous êtes toujours modéré, pondéré. Sur l'affaire de Cisco, évidemment, c'est un gage, encore une fois, de sagesse dans un contexte de tension extrême. Moi, je me pose la question, justement, sur ces primaires, tout comme Patrick, sur le soutien à Nicolas Sarkozy. Vous êtes là où on ne vous attend pas. Sur Nicolas Sarkozy, encore une fois, quelqu'un d'un personnage clivant. On vous attendait plutôt du côté de Laurent Marcangeli, plutôt du côté d'Alain Juppé. Ensuite, sur au niveau régional, là aussi, vous êtes un petit peu à l'image de votre famille politique. Vous cherchez votre voix entre la gauche et les nationalistes qui, aujourd'hui, monopolisent finalement le débat et occupent le terrain. C'est la relève tarde à venir, le positionnement clair. – José Ross, si vous répondez, vous concluez. – Écoutez, demain avec la collectivité unique, bon, si elle est bâtie telle qu'elle est bâtie aujourd'hui, le pouvoir essentiel sera là-bas, et puis il y aura les deux communautés d'agglomération. Celui qui dirige la communauté d'agglomération d'Ajaccio, c'est quand même Laurent Marcangeli, qui est l'élément de renouvellement majeur de notre famille politique. Bon, il faudra réunifier notre famille politique, amener des éléments nouveaux dans l'organisation de notre formation politique, qui doit être très large, pas replier uniquement sur les Républicains, mais aller très au-delà, la droite, les diverses droites, le centre. Bon, et à partir de là, je ne doute pas que l'élection présidentielle va faire émerger des éléments nouveaux, des forces nouvelles, hommes et femmes. – Bien, José Rossi, merci beaucoup d'avoir participé à ce contraste. L'émission est terminée, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Ce sera M. le recteur d'Académie, Philippe Lacombe. Et buona settimana, buona sera a tutti.